De Samuel, chapitre 9. David devient le roi en Israël. Saül a été tué avec ses, une partie de ses fils, une partie de ses enfants sur le champ de bataille. Et David, qui avait déjà reçu l'onction de la part du prophète, devient roi. Et nous disons, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan Vous vous souvenez que Jonathan était vraiment un ami pour David C'est Jonathan qui aurait dû logiquement devenir roi. Mais Dieu avait décidé autrement. Et Jonathan le savait. Et il acceptait le plan de Dieu. Saül, par contre, n'était pas d'accord et voulait ôter la vie à David. À plusieurs reprises, Jonathan a averti David pour qu'il reste en vie. Malheureusement, Jonathan est mort sur le champ de bataille en même temps que Saül. Donc David demande, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan Ils ont trouvé qu'il y avait un homme, et je lis donc à partir du verset 5, quelqu'un lui a dit qu'il y avait Fiboshat. Le roi lui dit, où est-il et Isba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'amiel à Lodbar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, Voici ton serviteur. David lui dit Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit qu est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tisba, serviteur, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et ma fille fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Siba, avec quinze fils et vingt serviteurs, dit le roi Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et ma mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Micah et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tessiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux. Des deux pieds. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui nous éclaire, qui nous aide à te plaire en toutes choses. Seigneur, je te demande de parler aussi dans les cœurs et les consciences par ton Esprit Saint transforme nos cœurs, nos vies, que nous soyons entièrement comme Jésus-Christ, en pureté, en discipline, en amour. Seigneur, accomplis des choses extraordinaires dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un a dit, ce sont les gentillesses de certaines personnes qui rendent la vie tolérable. Cet homme était boiteux. Il ne pouvait pas faire grand-chose pour lui-même. C'était encore pire à cette époque. Nous avons des arts à notre époque des machines pour se déplacer et tout le reste. Mais quand on ne peut même pas marcher, quand les gens ne pouvaient pas marcher à cette époque-là, c'était très, très difficile. Mais Jonathan, parce qu'il avait aidé David, a reçu la bénédiction pour ses enfants et pour cet enfant au travers du roi. J.P. Miller a dit, vos actes de gentillesse sont les petites pièces de l'amour. Ce sont des choses simples qui peuvent tout changer dans la vie des autres. Un sourire, des paroles d'encouragement, nettoyer une chambre, ou toute une maison pour une personne malade ou handicapée, préparer un repas, réparer un jouet, ou baiser le droit blessé d'un enfant qui pleure. Dieu veut manifester son amour au travers de nous. Dieu a décidé d'aimer tous, d'offrir son amour à tout le monde. Il nous ordonne d'aimer, de faire du bien même à nos ennemis, de prier pour eux. Il nous ordonne de pardonner si nous voulons être pardonnés par le Père céleste. Peu importe ce que les gens peuvent faire contre nous, peu importe comment les gens peuvent même nous trahir, nous maudire, selon Pierre au chapitre 3, si nous voulons la bénédiction de Dieu, si nous voulons attirer cette bénédiction sur nous, nous allons lui obéir en bénissant en retour même les gens qui sont contre nous. Combien c'est important de savoir parler avec respect, manifestant l'amour du Seigneur, peu importe comment les autres agissent. Dieu veut nous remplir de son amour. Et c'est uniquement par le Saint-Esprit. Les vrais chrétiens reçoivent l'Esprit du Christ et se laissent conduire par son Esprit. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Quand le Saint-Esprit, quand nous laissons agir le Saint-Esprit en nous, en fait, ça devient naturel d'aimer. Ça devient naturel de réagir avec amour même en face de quelqu'un qui est terrible. La Bible dit dans Romains 5 au verset 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais si on ne prie pas, si on n'a pas vraiment la présence du Saint-Esprit en tout temps pour nous aider, parce qu'on ne prie pas assez, vous savez, nous sommes appelés à prier sans cesse. Quand on reste conscient de la présence de Dieu, c'est beaucoup plus facile de ne pas se laisser tenter ou troubler ou tromper à l'adversaire. Lisons quelques passages dans le Nouveau Testament, dans Ephésiens, chapitre 4, pour commencer. Je vais lire pas mal de, de passages. Je vous encourage de nouveau à venir à l'église avec un cahier et un stylo pas uniquement avec votre Bible. Notez les messages, les références, afin de pouvoir aider d'autres personnes. Vous en aurez l'occasion. Ephésiens 4. Comment manifestons-nous Devons-nous manifester l'amour de Dieu Déjà, selon le verset 26, nous devons renoncer à la colère. Mais la colère peut monter quand même dans nos cœurs. Et la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Ensuite, Paul écrit que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il y a des gens qui prêchent contre la prospérité, il y a d'autres qui prêchent incorrectement la prospérité. La Bible est équilibrée. La Bible et Dieu demandent que nous travaillions afin de prospérer. Non pas pour qu'on soit riche pour nous-mêmes, mais pour qu'on ait de l'argent, pour qu'on ait la possibilité d'aider d'autres dans le besoin. Qui dans le besoin? Toutes les personnes dans le monde entier qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et le Seigneur nous pousse, le Nouveau Testament nous pousse à donner de manière généreuse pour soutenir la mission et l'évangélisation du monde. Et il y a en plus les gens qui ne peuvent pas travailler, qui pour une raison ou une autre se trouvent en grande difficulté. C'est à nous de donner, croyant que Dieu peut multiplier ce que nous donnons et nous bénir en abondance pour qu'on puisse donner encore. C'est le message de 2 Corinthiens chapitre 9. Mais lisons plus loin qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Est-ce que vous êtes pleinement délivré de toutes les paroles mauvaises qui pourraient sortir de votre bouche? Combien sont pleinement délivrés à ce niveau-là? Je peux voir votre main. Aïe, aïe, aïe. Il faut que je prêche plusieurs messages sur ce sujet. Je me rappelle, Bruce Gunn était. Enfin, il est devenu le pasteur associé dans l'église où je me suis converti. Mais avant de se convertir, il était très, très loin du Seigneur avec tous ses frères. En fait, tous ses frères et lui étaient des voleurs, des brigands connus par la police, euh, des hommes violents. Mais ils étaient obligés de partir en guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. La mère s'est convertie, était remplie du Saint-Esprit. Malheureusement, le Père ne s'est jamais converti. Il était alcoolique. Mais en revenant, presque tous se sont convertis. En fait, le dernier frère s'est converti quand un de ses frères, qui est devenu pasteur aussi, M'a demandé comment <coughs> commencer mon ministère avec lui, les dents dans son église. Et en fait, le dernier frère est venu et s'est converti avec sa femme et d'autres pendant que j'étais là. Mais Bruce, il était le plus grand, le plus fort, le plus violent, le plus têtu. Et priez pour lui parce qu'il est en hospice actuellement. Sans doute le Seigneur va le rappeler, il a quand même 97 ans. Et il aime le Seigneur. Il est prêt à partir. Mais à cette époque-là, même après avoir accepté le Seigneur, il a eu beaucoup de mal à changer son langage. Ce n'est pas évident qu'on en a l'habitude. De parler comme les gens du monde et même comme les pires des gens du monde. Mais le Seigneur l'a délivré, l'a rempli du Saint-Esprit, lui a donné un euh, ministère de prophète. Euh, et il a été utilisé pour aider énormément de gens à se convertir et à persévérer dans la foi. Le Seigneur nous dit, qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Vous comprenez que le Saint-Esprit et attristé il est en nous il est attristé quand nous parlons n'importe comment il veut guider chaque parole qui pourrait sortir de notre bouche il veut même parler au travers de nous pour bénir les autres pour les aider à se convertir ensuite paul dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, ou pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Je remarque sur Facebook, sur YouTube, plein de gens qui passent tout leur temps en critiquant d'autres chrétiens, en dénonçant certains ministères, certains prédicateurs. En dénonçant ceux qui ne croient pas comme eux au niveau de la doctrine, Alors, il y a des choses à dénoncer. Mais attention, selon la Bible, selon 1 Corinthiens 5, si on est outrageux dans sa manière de parler, on est bon pour les flammes de l'enfer et pour rien d'autre. Et même on doit faire attention, selon Jacques 3, nous pouvons avoir un zèle pour le Seigneur qui est amer. Et la Bible dit que c'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. David, qui était rempli de l'Esprit, était un modèle pour nous. Écoutez très bien ce que j'ai dit. Saül avait reçu le Saint-Esprit. Dieu l'a élevé pour qu'il soit roi sur tout le pays d'Israël. Il était tellement rempli de l'Esprit que plusieurs fois il prophétisait avec les prophètes. Malheureusement, je ne sais pas si c'était à cause d'orgueil, à cause de sa position en tant que roi. Il n'a pas... Continuait à chercher Dieu. Il s'est laissé avoir dans son cœur et n'obéissait plus. Il croyait qu'il pouvait décider lui-même parce qu'il était le roi. Et Dieu l'a rejeté. Pire que ça, il lui a retiré le Saint-Esprit. Et il a permis qu'un démon entre dans son corps. Et il était tourmenté toute sa vie, sauf quand David, sous l'onction du Saint-Esprit, jouait de la harpe en sa présence. Ça faisait fuir le démon. Ça Saül était poussé par le diable de nombreuses fois à ôter la vie à David. David avait. Plusieurs fois, il avait eu l'occasion de lui ôter la vie à lui. Il ne l'a pas fait. Il n'a même pas critiqué Saül. Il n'a jamais parlé contre lui. Pourtant, il savait très bien qu'il était possédé de démons. Il ne voulait pas prendre le trône de force. Il voulait que Dieu agisse. Donc, euh, faisons très attention. Oui, il y a des gens qui prêchent. Il y a de faux pasteurs. Il y a de faux responsables. Des gens qui sont peut-être possédés de démons. Parlons quand même avec respect. Nous pouvons dénoncer le mal de la bonne manière sans être outrageux. Amen. Si vous êtes avec vos commentaires, si vous êtes sur Facebook ou sur l'Internet, dites-leur, -le dites aux autres qui sont en train de se... Comment dire Ils sont en train de plonger dans le mal et dans la volonté du diable en étant outrageux. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Devenez donc les imitateurs de Dieu acceptant de pardonner. Réciproquement, marcher dans l'amour ou la charité dans certaines traductions. Le mot charité est utilisé parce qu'en grec, il y a plusieurs mots pour amour. Et quand c'est traduit par charité, c'est la sorte d'amour qui vient de Dieu même qui n'est pas mérité. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs, pardonnés, transformés peut-être, mais quand même à la base des pécheurs. Dieu avait le droit d'envoyer absolument tout le monde en enfer. Et, et je constate que nous avons tendance parfois à faire des choses de travers, nous méritons l'enfer toujours. Je suis honnête. Sans doute vous pensiez que j'étais parfait. Demandez à ma femme. J'ai besoin de, par de pardonner et de demander pardon. Et vous? Marchez dans la charité, c'est-à-dire aimez vos ennemis. Aimez, faites du bien, priez pour les gens qui ne le méritent pas. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice. De bonne odeur. Comment est-ce que le Christ nous a aimés? Il est mort pour des pécheurs. Il est mort pour le meurtrier qui était sur la croix à côté de lui. Il est mort même pour les deux, mais en seul, la place et sa confiance en lui. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, c'est-à-dire choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Lisons dans Corinthiens 13. Je ne sais pas si votre traduction dit amour, la traduction que j'ai, qui est de 1910 de Louis II. Il utilise le mot charité. Mais il s'agit de cette sorte d'amour qui est divin, qui, qui nous pousse à aimer même les gens non aimables. En Corinthien 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un errant qui résonne ou une symbole qui retentit. C'est-à-dire, je suis en train de faire beaucoup de bruit, mais rien d'autre. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, Jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Est-ce que vous comprenez que les gens peuvent faire tout cela et ne pas aimer? ne pas être rempli de l'amour divin. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Qu'est-ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 5? Qu'on ne devrait plus jamais vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Paul, écrivant à Timothée, a dit un jour, mais je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Tous cherchent leurs propres intérêts. Il voulait que Timothée vienne. La charité ne s'irrite point. Vous n'avez jamais ce problème, n'est-ce pas Il n'y a rien qui vous irrite. Votre mari, votre femme ne, ne vous irrite jamais. Vos enfants, jamais. Quand on est contrôlé pleinement par l'Esprit du Christ, Quand on est pleinement rempli de l'amour divin, la charité, on ne s'irrite point. C'est la raison pour laquelle nous avons tellement besoin de prier. Jésus nous dit de persévérer dans la prière, de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Dans le jardin de Jetsemane, ses disciples n'avaient pas encore appris. Comment prier? Ils ne pouvaient même pas rester éveillés une seule heure. Ils n'avaient pas encore appris à jeûner non plus. Mais après son départ, ils ont prié. Ils ont jeûné. On remarque même dans Acte 6 que les apôtres voulaient être pleinement concentrés sur deux choses la prière. Et l'annonce de la parole. Ils ne voulaient pas travailler à d'autres choses. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi cette diacre pour s'occuper des veuves et des orphelins, pour que eux ils se donnent pleinement à l'enseignement de la parole et à la prière. La charité ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les autres choses vont disparaître. Les langues, les prophéties, la connaissance, etc. Mais uniquement quand nous verrons le Seigneur face à face. Mais la charité ne périra jamais. Si on compte aller au ciel et être avec le Seigneur. Parlons de la gentillesse. Est-ce que vous êtes gentil avec tout le monde? Est-ce que vous voulez bénir? tous est-ce que cela vous intéresse les gens handicapés les gens qui sont pauvres les gens qui sont malades est-ce que vous manifestez l'amour du christ envers de telles personnes lisons dans titre, Juste après les Épîtres à Timothée, chapitre 3, verset 4. Verset 5, titre 3, verset 5, ou même 4. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier. Et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Ne vous laissez pas entraîner par les gens. Je remarque qu'énormément de gens se laissent entraîner par de telles personnes sur Facebook et sur l'Internet. Dieu nous appelle à aimer, à être respectueux et gentil avec tous. Il nous appelle à pratiquer de bonnes œuvres. Si vous lisez Matthieu 6, vous verrez que pratiquer des bonnes œuvres, c'est donner beaucoup d'hommes en secret aux pauvres. C'est prier beaucoup en secret pour les autres. C'est jeûner beaucoup en secret pour les autres. C'est accepter de pardonner même les gens qui ne demandent pas pardon. La gentillesse fait partie de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a choisi d'être gentil avec nous. Et nous ne méritons rien de sa part. Tellement enfoncé dans le péché, Dieu est obligé d'agir miraculeusement par son esprit pour nous changer. Par sa parole. La gentillesse fait partie de la vraie foi biblique. Comme je l'ai déjà dit, enfin, lisons dans 1 Pierre, chapitre 1er. Pierre Pierre, chapitre 1er, au verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Maintenant, lisons dans deux pierres, chapitre 1 Dieu nous a envoyé son esprit. Il nous a démontré combien c'est important de prier, de jeûner, de lire, de méditer la parole de Dieu. Si vous voulez devenir vraiment comme Jésus-Christ, si vous voulez vraiment plaire à Dieu, si vous voulez impacter votre monde, vous aurez des choses à faire. C'est à nous de pratiquer de bonnes œuvres. C'est à nous de perfectionner notre foi et notre marche avec le Seigneur. Pierre a dit, et je lis à partir du verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Dieu veut que nous participions à sa nature divine. Il nous a envoyé sa parole et son esprit pour être transformés ainsi. Mais c'est à nous de continuer et même de déclencher certaines de ces choses en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Comment fuir On évite les personnes impudiques qui veulent nous entraîner dans le mal. On évite les lieux de débauche. On évite de lire n'importe quel livre, de regarder n'importe quel film parce que ça affecte nos cœurs. Ça peut nous attirer entièrement vers le mal. Nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ailleurs, Paul a dit, fuyez l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Donc, on fait tout pour éviter la pornographie, les photos, tout le reste. On fuit l'idolâtrie. Selon Paul, dans Corinthiens 10, pas uniquement l'idolâtrie des, des objets, des statues, mais l'idolâtrie des gens du monde. Moi, je suis scandalisé, honnêtement, en lisant tout ce que les gens disaient, les soi-disant chrétiens disaient, de certaines stars qui sont décédées ou J'ai euh, écouté la radio euh, parce qu'apparemment, il montre chaque jour dans l'église, euh, là, à Paris, ce qui s'est passé avec l'enterrement de euh, Johnny. Et une personne euh, qui a visité récemment disait la radio. Mais il est notre sang. Il est notre sang. N'importe quoi. N'importe quoi. Jésus-Christ est le sang. Et les hommes, nous n'avons que la sainteté que le Seigneur nous donne. Nous n'avons point de justice. Il n'y a aucun juste parmi les hommes. Tous sont pécheurs. C'est uniquement le Seigneur qui nous fait grâce. Si nous croyons en lui et si nous devenons de vrais disciples du Christ. Je dis bien de vrais disciples. Quand on est un vrai disciple du Christ, les gens le savent. On ne les cache pas. Les gens ne sont pas obligés de chercher si on était croyant ou pas. Notre foi trouble les autres même. Notre marche de sainteté trouble les autres. Je vous ai parlé déjà. Alors, quand j'étais aux États-Unis, j'ai travaillé tout le temps où j'étais pasteur dans le monde, au lieu d'accepter un salaire de l'Église. Pour différentes raisons. Paul a fait la même chose dans certains endroits. Il a travaillé de ses mains faisant des tentes. Donc j'ai travaillé dans le monde. J'étais en contact avec plein de gens. Non converti, et les pires, vraiment les pires. Est-ce que ça me troublait? Absolument pas. J'ai aimé, mais ça les troublait énormément. Il y avait une douzaine de personnes qui ont même quitté l'usine. Ils ne supportaient pas d'être près de moi. Ils avaient peur. Ils avaient même carrément peur parce que le Seigneur avait agi. J'avais j'avais témoigné à tout le monde, j'avais même distribué une petite brochure de David Wilkerson. Le titre était Brûlé. Ça parlait de personnes brûlées physiquement, mais que l'enfer serait pire. C'était pas ça qui les troublait, jusqu'à ce que, quelques semaines après, l'usine a commencé à brûler. Il y avait un accident, une explosion. Et toutes les personnes qui se moquaient de moi, même en face, étaient encerclées par le feu. Et moi-même et d'autres, nous sommes venus avec les extincteurs. Mais ça leur a fait tellement peur que tout un groupe a démissionné. Mais j'ai rencontré une de ces personnes. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour tous, mais j'ai rencontré dans une autre ville. Quelqu'un qui m'a vu et a couru vers moi en disant Mais bonjour frère J'ai dit Je vous connais En fait, c'était une des personnes qui avait quitté l'usine. Il m'a dit Mais j'ai quitté l'usine parce que chaque fois que je te voyais, je pensais aux flammes de l'enfer. <laughs> Il m'a dit Mais malheureusement, chaque soir, quand je rêvais des toi, et des flammes de l'enfer. Ça l'a poussé à aller à l'église dans sa ville. Il s'est converti, était rempli de l'esprit et il était responsable de notre groupe de prière. Dieu peut agir. Mais il faut être gentil. J'étais gentil avec eux. La gentillesse fait partie des vêtements de l'homme qui est vraiment disciple du Christ. Dans Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un trait de miséricorde, de bonté d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est Dieu qui va faire tout ça en vous? Il nous aide par le Saint-Esprit. Mais en fait, Paul a dit, revêtez-vous de ces choses. C'est à nous de nous revêtir de ces choses. Vous savez, une parole de gentillesse est comme un rayon. De soleil. Pour les gens qui vivent dans les ténèbres, est-ce que vous comprenez que les gens qui vivaient autour de vous, qui vivent autour de vous, sont dans les ténèbres, à moins de connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je vous encourage. Partagez les rayons de soleil. Parlez du Christ, témoignez du Christ, parce que Malachie a dit au, vers, au chapitre 4, au verset 2. Pour vous, c'est Dieu qui parle au travers du prophète. Vous qui craignez mon nom, c'est la le soleil de la justice et la guérison. Sera sous ses ailes. Vous savez, Dieu bénit les gens qui prient sans cesse, qui donnent beaucoup de monde pour aider les pauvres. Il bénit les gens qui, qui partagent des rayons de soleil. Il est guéri. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Des gens qui se disent chrétiens, et vous savez pourquoi ils sont malades Ils sont toujours négatifs. Au niveau de nos langues, il y a un pouvoir. Nous pouvons attirer la bénédiction ou la malédiction. Quand nous sommes joyeux, la Bible nous dit d'être toujours joyeux de prier sans cesse aussi, de louer Dieu, de rendre grâce à Dieu pour toutes choses afin de rester rempli de l'esprit. Quand nous sommes obéissants, le corps réagit correctement. Il y a un verset, j'ai oublié, je ne peux pas le citer exactement, mais c'est dans les proverbes que... Quand on a un cœur joyeux, c'est comme un médicament. C'est comme un médicament. En tout cas, je remarque que souvent, les gens qui sont vraiment joyeux en tout temps sont rarement malades. Mais évidemment, tout le monde peut être frappé par la maladie même. Job, qui était parfait à son époque. Mais Dieu est là pour nous guérir. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez tout cela? Je vous invite à vous lever. Si vous le voulez, si vous en avez besoin, si vous voulez donner votre cœur, votre vie à Jésus-Christ pour devenir un vrai disciple, si vous avez besoin de sa guérison, je vous invite à venir vers le devant. Jésus-Christ a demandé qu'on prie avec l'imposition des mains pour chasser les démons qui troublent les gens, qui oppriment les gens, pour que les croyants soient baptisés de l'Esprit, pour que les malades soient guéris. Si vous en avez besoin, venez vers les devants. Élevez vos mains vers le ciel. Faites connaître votre besoin à Dieu avec vos propres paroles. Et le Seigneur agira. Ne restez pas à votre place. Si vous avez besoin des miracles de sa main, il est capable. Il est capable. Répétez cette prière. Et que toute l'Église répète la prière pour les aider. Père céleste, je place toute ma confiance en toi. Je reconnais que tous les hommes sont pécheurs. J'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Je te demande de me transformer. Que j'arrive à abandonner tout péché. Toute habitude mauvaise. Je proclame ma foi en ton Fils. Tu ne l'as pas épargné. Tu l'as livré pour nous tous. Il était sans péché. Il est mort volontairement pour moi. Et tu l'as ressuscité le troisième jour. Tu as accepté son sacrifice pour moi. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Délivre-moi de tout esprit mauvais et impur. Que tout esprit mauvais soit chassé de mon corps, de ma vie, de ma maison. Que le Saint-Esprit vienne en moi. Je renonce à moi-même. Je renonce à tout péché. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton amour, de ta pureté, de ta discipline, de ton courage. Je place tout à tes pieds. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi et les autres. Aide-moi à travailler à prospérer afin de pouvoir aider les autres. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière. La Bible dit aussi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prions les uns pour les autres aussi.